Face à la montée fulgurante de l'insalubrité observée depuis plusieurs semaines dans la ville de Brazzaville, la société Elfi Environnement a décidé d'agir pour en venir aux populations et usagers de la route qui éprouvent des difficultés et les exposent à plusieurs sortes de maladies. Dans la nuit du 16 septembre, c'est sur l'avenue de la Paix dans le 4e arrondissement Mungali que les agents de Elfi Environnement accompagnés de quelques Brazzavillois ont lancé cette vaste opération. Ville à Brazzaville, tu es comme solo. Donc, toi qui vraiment étouffé, même si on a circulation, tant que les cas, on vient à la poubelle, saleté, et qui s'y tient à goudron, et puis à la malade, la typhoïde, la malade est belle. Tout ce qui est vraiment pour une initiative, la place à Verda. Vraiment, ça est bien, moni, la santé n'a pas de prix. Vraiment, qu'on vive à place, ça va solo, qu'on vive à place, ça va m'embêler, il y a bien été parce que ma malade, j'ai eu belé. Donc, et ça, les bussons vraiment bien. Mais les bussons, il y a qui Avant, à Verde, il y a qui Parce que mon tesson a une salité naïe à qui a beaucoup qui a porté le dépôt à Verdier Ali. Mais le corps est tondu et belé, bah t'as Verdier, bah ça l'a sous-souté. Et moi le moni est comme il comprend sa vie sans problème. Donc tu sais pas le corps la compagnie où il est, mais tu as vu comment on a monté et le moni bleu. Tu habites vraiment et ça il est bien. Cette action de la société Elfi Environnement vise à appuyer la mairie de Brazzaville dans l'accomplissement de ses missions régaliennes, a fait savoir Yvan Kaba, directeur général de cette société. Nous avions trouvé que c'était inadmissible que nous vivons dans un environnement autant pollué. Les gens pensent toujours qu'il y a une ambition derrière ou bien on le fait pas parce que nous attendons à quelque chose, on le fait parce que nous sommes les enfants de ce pays et nous aimons ce pays. Il n'y a personne qui peut mieux aimer ce pays que nous. Seulement le problème, c'est dans toute la ville. Nous, bon, déjà pour votre information, on n'a pas commencé qu'ici. Hein? Nous avions commencé l'action depuis Mazala. Et nous sommes en train de descendre, aller petit à petit le long de l'avenue de la Paix jusqu'à Poto-Poto. On va descendre vers Madoukou, etc. Demain, sinon après-demain, nous serons à Total. Jadis Brazza la Verte, la ville de Brazzaville est aujourd'hui l'ombre d'elle-même, confrontée à plusieurs défis que les pouvoirs publics peinent à apporter des solutions concrètes pour qu'elle retrouve ses lettres de noblesse.